C'est du cobu. Du cobu ! En quoi ? Il est autoritaire, psychorigide, coincé, puceau. J'en rajoute encore. Il vit avec sa maman. Comme il est en contrôle permanent, quand il explose, quand il est en colère, ça part dans tous les sens comme une cocotte minute. Et puis quand il est amoureux, c'est pareil, quoi. Il sait pas comment faire. 18, 19, 20, 21. Mais il en manque un. Oh, ça sent encore du beau cul. Du cobu. En fait, moi, j'appartiens pas, j'étais pas dans la BD au début. Elle s'appelle Mademoiselle Rato, c'est l'amoureuse secrète de Monsieur Rato. Et donc, elle a été inventée pour ce scénario. Et en fait, c'est une prof de musique qui est un peu spéciale, un peu très solitaire, mais assez bien dans sa peau, qui aime beaucoup les beaux vêtements des années 90. Et qui est donc secrètement amoureuse de Monsieur Rato. Et elle est très très gentille, donc elle a très peu d'autorité. Et puis elle n'est pas très à l'aise dans l'expression du sentiment. Super ambiance. Mais en fait, le film est destiné aux enfants et c'est assez familial, hein, parce que les enfants ils viennent pas tout seuls. Donc il y avait ça dans la salle, plein d'enfants, des profs. Ça c'est intéressant parce que comme c'est un film qui parle de ça aussi. Donc c'est intéressant d'avoir leur point de vue et on en avait trois devant nous avec Philippe de Chauvron, elles étaient mortes de rire. Ce qui était super, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais la salle était hyper réactive. Ouais. Au moindre dialogue, à la moindre mimique des personnages. Alors évidemment quand c'est drôle, là ils éclataient de rire, ils ont même applaudi en plein milieu. C'était vachement sympa. C'est de la pure comédie, mais il y a vraiment un truc assez réaliste, moi je trouve. Ouais, ça ouais. Vraiment. Je sais pas, moi quand j'ai vu le film deux fois, mais il y a plein de scènes. Moi j'ai eu très peu de scènes de classe vraiment. Ouais. Et quand je vois le travail qu'Eli a fait dans sa classe, c'est impressionnant. Moi ça me ramène à des trucs, des sensations de vécu, même si c'est de la comédie effectivement, et que c'est très dessiné, etc. Il y a quand même un truc de réel qui est très beau et qui rend les choses beaucoup plus profondes. C'est pas mon obsession, faire mon Ciao Pantin, bof. Sauf si je tombe sur un film fantastiquement noir. Je sais pas si j'aurais voulu aimer voir De Funès, par exemple, dans un rôle sérieux. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, c'est très impressionnant. Ouais, c'est toujours impressionnant. Non, blasé, bah dis donc. Passage avec devant le mur de photographes, parce qu'eux aussi font partie du spectacle. Donc, non, moi c'est la deuxième fois, j'ai été déjà montée avec l'équipe de Tellement Proche il y a deux ans. Cannes, c'est quand même pour moi vraiment la sélection officielle, les grands films, les grands auteurs. Je suis attirée par ça, donc Les Marches pour moi c'est vraiment ça. Je suis hyper contente de le faire et puis c'est super ce qu'on fait toujours en équipe. Et le jour où je le ferai, où je montrerai Les Marches pour un film dans lequel je suis projetée, là ce sera l'apothéose. Sky.